sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde, Conservatoire Carnatique de Paris vous présente la Bhagavad Gita, épisode 77. Nakarmanam anarambhan naishkarmyam purushoshnute nacha sanyasanadeva siddhim samadhigachati. On ne peut pas parvenir à se libérer des réactions karmiques en s'abstenant simplement de travailler, ni à attendre la perfection de la connaissance par un simple renoncement physique. Signification. Un vrai yogi de karma doit apprendre à travailler sans aucun attachement aux fruits de ses actions. Cela nécessite la culture de la connaissance dans l'intellect. Par conséquent, la connaissance philosophique est aussi nécessaire pour réussir dans le karma yoga. La connaissance parfaite n'apparaîtra pas dans un cœur impur par un simple renoncement physique. Elle doit être accompagnée d'une action concrète qui purifie l'esprit et l'intellect. Par conséquent, l'action est également nécessaire pour réussir dans le Sankhya Yoga. Analogie. Juste parce qu'une école propose d'enseigner jusqu'à la classe 5, un enfant ne peut pas être admis directement en classe 5. L'enfant doit réussir jusqu'à la 4e classe avant d'entrer en classe 5. Temps de la réflexion. Avez-vous déjà remarqué que le dernier pas de la science et le premier pas de la philosophie? Laissez votre réponse en dessous. Shri Gurubhyo Namaha Harihi